Suivez Combo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux.
Shalom, peuple de Dieu. Comme on a dit, maman, ceci, n'a pas dit en Allemagne. Je suis un témoignage pour mon mari, qui a été la prostate pendant 8 ans. Les gens qui ont été témoignés, ils ont témoigné en Zambie à Moussakoli, prophète Emmanuel Dodge, na ont été salis na vie. Je vais commencer d'abord au commencement. Mais bien aimé, je suis un témoignage. C'est parce que bamona ki naza na myom na niveau aitoris na fanda ki bambule belé na sukanga kalisu zemité. Alors te rekoma na nouvelle lune ya mois de juin année passée, papa a ki ko déclaré que basi onyoso bazana problème ya kobota basi mba mutolu na bango ngape na kondima nyoso na ye ko simba mutolu papa e koloba sefe. Et après, comme qui na mois d'août, année passée, na komo ka malaise, na ke pa munganga, ba e komo na ke na bandize. Na zaki na esengo makasi na pamboli nzambe. Na bengi encadre na nga se kresef azo ko edenga na ba prière. Et comme à un certain moment, moi négligence e kote la kinga, des fois, c'est que c'est pas comme un gars qui est allé en bipo na mona qui que cambo na ndaki kozua na ndaki kolukanaji or na nikosaki ya mona bien aimé satan a rusé trop ceux qui osa kolukelo komoko ozu yango ko croiser les mains te parce que a kolukelo toujours ba problème. Alors c'est que c'est comme un gars chaque fois qu'on motiver maman wanda ko kangalisu suzemi te tala nzambe ya musakola sali osimbi zemi comme ma distraction te to continuer na ba prière. Et c'était comme ça que to continuer ki ba prière na maman Christelle. Alors te ko koma zemi ko ki 5 mois ba minganga ba eko mona nekografi ke moyenne bota lisusu te ngala bi pourquoi. Parce que ba moni mwana soki abotami a koza la mwana normalité ba jere bana ba mongol bana na ba makambo bele bela ko botama na ba makambo malamu te na santé na et c'est mieux te interrompre zini. Qu'est-ce que nous avons fait avec mon mari pour biso toza ba franchi nga la bité papa na za lokola mwa si oyo femme à distinction nga la bité na kozonga pa musakoli. Pour nous dire que nous allons sous émité, Moussakoli a déclaré dans Moussika le longana simbi moine. Na kolongo la zémioté, il fallait moi, papa aloba, dernier mot. Na bengaki, Saint-Christophe, alobite, c'est la pe papa voice. Na saleli papa voice, papa e koloba ke, zémiona te interrompre en route. Mais bien aimé, tant koto minganga balobi ke mwana kobota na malformation makambo ebele akoza normalité papa koto alobi ke mwana abotama nazala ki un peu désespéré désemparé je ne sais pas moni na koloba bino moko kokanisa ba maman ozala zemi baloba na yo ke mwana azala kati ali bumwaza mwana normalité mama okolia te okozala ndenge nini ona ko lukaze mobota kate aussi bakali susu zemi te zemi yango sikoya e koma na ba problème wana ma mama izala ki passe atatango na témoigna ki pola mobali na ngai na zala ki kaka na passe na mwa mutema me kondima na zomona oh papa za ko sala batu baza ko témoigner eza ko pesa nga kondima. Alors mais bien aimé jour j e ko kakate e koki izala ki le 8 mars de Nizaki mukula kubotama. Nzambe, tikara ungana yembe la nzambe. Ba fonshi na mokili mobimba,
Baluka ki mosungi ya kosunga bango babelela ki kolo kolo na mongongo makasi kolo Pan franchi na mokili mobimba Baluka ki mosungi ya kosunga bango babelela ki kolo kolo na mongongo makasi kolo Eh, ba na nzambe, ba franchi, o boza bisika nyonso. Naza ko invite bino, toza na esengo, toza na place ya malamu, toza na place ya dresse yo, vraiment eza place na biso nde yango yo. Na ebite soki tokutanaka na mosakoli, te soki lelo tosuki ndenge nini. Bref, le 8 mars ekokaka te ekoki. Me akobota mwana boye, mwana bima normal. Mwana na ngala botie mwana mwasi. Mwana kitoko me bien aimé. Mwana za mayele. Mwana kitoko, mwana munene. Nzamba prophète Emmanuel Dodi asali. Nzamba prophète Emmanuel Dodi. Ayobina koyeba si na kofondre médecine allemande. Nandenge bango balobaki na longola zeni. Mwana kobota makoza la malformation. Mwana koza la normalité. Menzame nanga zambia profete manale doji asali. Boti kanga na loba. Seki na komi loba neti liboma po na moni lobo kwa nzambe. Na moni lobo kwa nzambe na libota nangai. Depito koma ba franchi zamba za kosala biso toujours ba surprise moko agréable. Ona se atanda ki nango te. Lelo yonga seki na bota ka mwana ki zengi. Balinga ki ba se kanga la Je suis comme un sujet de mon kéri. Mais ma prophète Emmanuel Dodi, na mon ata été, na sim na koma ta pembe na prophète Emmanuel Dodi, teme na musika, aza koloba maloba, depuis na Congo, aza ko réalisé jusqu'à ici na Allemagne, anz na mon ananou aboete. Oya biso za témoignage ya makio na te ke oboko ba fabriquer lobby ba komi ko swana ba prophète na bato ya bango oya ngase ki mutu atie tembe na ko pesa même adresse ya maman nanga po famille nanga ba ba ki situation oyo awa na Allemagne na ko pesa ville na vandi ba na ko pesa même adresse ya ba minganga wana nzamba prophète Emmanuel Dodi asali mwana nanga bi ma normal yango na ko pambola nzamba Emmanuel Dodi na ebite ko boni ni na benga ye c'est pour cela na ko pesa Merci Mingi. Na besi merci li sous na ba serviteur nyonso. Ko pastoral nyonso, ba pasteur Tosha, apôtre Tosha chaque fois kotinga la nga ba prière. Maman la nga Christève, maman. Quand on a prié matin, midi, soir, à l'embakate, Nzamba Zongi Sami, Nzamba Pambola, oh Mama Christelle. N'a pas si merci, n'a pas si Chamala, passe Josué, ma passe Désiré, ma passe Ilunga, ma papa Marcel. Ba tunyos la serviteur na ba servante nyoso mama Micheline na pesi bino merci na Kenny Piana parce qu'à travers lui ne te ba ki mon sakoli na pesi vraiment église mobimba ba franchi nyoso na pesi bino merci mingi merci na mon sakoli Emmanuel Dodi na ebitelo koni na ko pesa papa oyo na pesa ye nini zaba prophète Emmanuel Dodi asali ya mingi na pambolio na komo Yesu Kristo amen pastor mirangle na mameza ya lukutato sito yeba ma profesia lukuta Shalom mes frères et sœurs, shalom peuple de Dieu. Je m'appelle Alain Dévé. Là, je vous fais cet audio à partir de Goma, là où je réside, où je travaille. En fait, je vous fais cet audio afin de témoigner de la grandeur de Dieu, de notre Dieu, du Dieu du prophète Emmanuel Dodi, pour tous les bienfaits qu'il m'a accordés. Nombreux d'entre vous se souviendront sûrement de moi. Si il y a encore une vidéo sur moi qui était là, parce que moi-même je me souviens l'avoir déjà vue. En fait, j'étais malade. J'étais très malade ici à partir de Goma. Je suis arrivé à Kinshasa pour le soir. Je suis resté très longtemps à Kinshasa. En train de suivre des soins, aller à l'hôpital,
il y avait rien, on ne trouvait rien du tout. On ne trouvait rien du tout. Alors, j'étais un peu tombé dans le désespoir. Et là, dans le désespoir, c'est là que ma sœur, une amie, une sœur à moi, Mireille Kakenza, viendra me chercher et me dire, non, écoute, Alain, accompagne-moi, on va aller voir mon prophète Emmanuel Dodi. Donc, je ne te demande rien d'autre que de m'accompagner et il va prier pour toi. Donc, je ne te demande pas de changer soit de religion ou quoi que ce soit. Je veux seulement qu'il prie pour toi parce que aujourd'hui c'est une journée de guérison. Il nous a demandé de faire venir nos frères, nos connaissances, tous ceux-là qui sont malades, qui sont dans des problèmes, etc. Voilà. C'est comme ça que je suis venu, je suis arrivé à l'église avec lui. Alors, arrivé à l'église, nous avons d'abord été reçus dans la chambre haute. De toute façon, moi, on me conduisait, je ne savais pas marcher, j'avais les pieds gonflés. J'avais complètement perdu l'usage de mes jambes. Alors, j'avais été reçu dans la chambre haute. Il y avait la sœur Christelle qui était là et d'autres frères. La sœur Christelle, d'ailleurs, je la connaissais toute petite à Goma. À l'époque, je connais bien ses parents. Je connais ses frères, je connais ses sœurs. Donc, elle, je la connaissais toute petite. Je ne l'avais même pas reconnue. Et lors de la prière dans la chambre haute, la sœur Christelle va prophétiser en disant qu'elle voyait qu'il y avait derrière tout ce malheur qui m'était arrivé, le fait d'avoir perdu l'usage des jambes, toute cette souffrance-là, il y avait une dame qui était derrière tout ça. Et que j'avais été empoisonné. Du coup, comme ça, bon, vous connaissez la réputation de Goma. Elle laisse le poison et comme monnaie courante. Mais moi, je n'y avais quand même pas cru. Mais par après, je vais être conduit auprès du prophète Emmanuel Dodi. Il y avait le pasteur Josué et la sœur Mireille Kakenza qui me tenaient pour arriver auprès du prophète. Je me souviens encore que le prophète s'était levé de sa chaise. Il est venu là où on m'avait installé, toujours dans son bureau. Il avait directement parlé du poison aussi. Mais ça restait quand même le doute. Le doute demeurait en moi. Mais je n'avais pas le choix parce que j'étais dans le désespoir. Le prophète va prier pour moi. Ensuite, il va me promettre de revenir demain encore et qu'il priera toute la nuit pour moi. Cela va passer. Je suis revenu le lendemain, c'était le culte de la pleine lune, je crois. Non, pas la pleine lune, la nouvelle lune, voilà, la nouvelle lune. Et là, nombre d'entre vous étaient là, vous vous souviendrez sûrement de moi, parce que j'avais remarqué, j'avais lu dans le visage de tous les fidèles à l'église, de tous les frères et sœurs, j'avais lu de la pitié, la compassion, la tristesse en me voyant quand on m'avait emmené au devant du prophète qui encore redit sa prophétie, qu'il voyait une femme derrière tout ça, qu'il voyait les puissances coutumières et tout ça, mais que tout était anéanti. Hein, je me souviens encore de ces mots. Voilà, j'avais quand même gardé une pointe d'espoir. Mais au fur et à mesure, parce que je revenais, j'ai continué à prier avec la sœur Christelle, souvent au téléphone, et parfois je venais à la chambre haute, je revenais voir Papa Emmanuel, toujours accompagné de la sœur Kakenza Mireille, jusqu'à ce qu'au moment où je vous parle aujourd'hui, j'ai repris mon travail, parce que j'étais aussi au bord de perdre ce travail-là, parce que j'ai failli être déclaré invalide. Donc, ce qui a fait que
Maintenant, je suis guéri. Et là, je peux vous rassurer, je reconnais vraiment que le prophète Emmanuel Dodi a un Dieu. Là, un Dieu. Parce que j'ai essayé de joindre les deux prophéties que j'ai reçues de la sœur Christelle, qui était dans la chambre haute, et directement du prophète Emmanuel Dodi dans son bureau, et on parlait du poison. C'était une similitude, donc je ne pouvais pas très bien comprendre ça. C'est ça en fait qui a commencé à lever le doute en moi. Et voilà, j'ai cru, et voilà que je suis revenu. J'ai repris mon travail, je suis en bonne santé, je marche, donc j'ai repris ma vie d'antan, ma vie normale. En tout cas, je remercie encore très fort le prophète Emmanuel Dodi, très fort pour son amour, son humilité. J'ai senti qu'il avait de l'amour et qu'il avait vraiment eu pitié de moi. J'ai senti qu'il voulait vraiment ma guérison. Je remercie aussi tous les frères et sœurs de l'Église. Je suis sûr et convaincu que vos prières m'ont accompagné durant cette période-là. Je remercie fortement la sœur Christève qui n'a pas abandonné, qui m'a soutenu aussi dans la prière, et la sœur Mireille Kankenza, par qui j'ai connu le prophète Dodi Manuel, par lequel Dieu a agi pour me guérir. Je vous remercie encore. Je vous dis amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, ba français de partout. La paix bien en beauté. Ngaï, la français à Paris, la France, maman Joséphine Poutou. Na koma ki a français, on a leki nanga moto à la kisakenga prophète. Emmanuel Dodi, le grand sacrificateur, le Kinanga Vandakana Suisse, maman Marie-Josée. Le maman Marie-Josée, après ce qu'il y a numéro à prophète messager, na benga ki, après ce qu'il y a tout sololi, et puis après ce qu'il y a encadré nanga maman Christelle Boussembe. Tout bandinga na maman Christelle Boussembe, na ba prière tango nyoso ko sala ba prière na zolanda ka pe ba prière ya ba pasteur Josué, pasteur Gédéon, pasteur apôtre Tosha, ba pasteur Désiré, Daniel, pasteur Roger, bango nyoso to ndenge ba pesaka kolanda na tongo na pokwa na butu tango nyoso na zolanda ka ba prière na ligne na sotala ka pe ba kilte kokotaka nazo landa pe na tele seko ekoma ki mokolo ya nouvelle ligne ngai bande konanga nazalaka na cancer ya libele basalaka nga ba kishe naza kontrole tout ça tango seko yo pasteur na nouvelle ligne prophète azote na place ya lobaki batunyo so bazana cancer ezoli moi ngai peska na zalaki na lobi e ngape kansere elimwe bandeko ka ndenge na lobaki wana kaka neti bango balobaka neti je bandeko nanga quelques jours après nazaki na contrôle na ke na contrôle ba médecin batali basalinga contrôle échographie basali IRM bandeko nanga nazoyebisa bino nzambe ya prophète le grand sacrificateur Emmanuel Dodi Azareel Azali Azareel kaka ndenge ya lobaka c'est fait na moni balobi non to bande la cliché ba bande le cliché ba moni cancer esali susute cancer elimwe bande konanga bino moko boye bi malade ya cancer ya libele ba inquiétude nini ozanango oza tranquillité
Nzambe tata, nzambe ankolo Yesu, oya tinda mosakoli, mobiki si Emmanuel Dodi. Ali mwisinga kanser bande kona mosika. Nzambe nini wana, oya sala kama kambwa buwe, soke zaka nzambe te. Na tele kaka nengi alobaki, bande kona nga. Na tika lako muna ebo ete, kaka na television. Na mosika ye na kichasa nga na poto wa na France. Yango wana bandeko. Mosakoli Emmanuel Dodi le grand sacrificateur ngana bengaka azali nzambe azali mobikisi muto nyoso azana ba maladi ya ndenge na ndenge avanda te aluka mosakoli ataka kana telefone aluka mosakoli avanda na maladi te avanda na probleme te parce que mosakoli azali mobikisi mosakoli azali mwana na nzambe mosakoli azali le grand sacrificateur. Azali, le grand sacrificateur, le grand souverain. Bandeko, bo vandate, bo luka mosakoli Emmanuel Dodi, le grand sacrificateur. L'homme a ba solution, parce que ye, bandeko nanga, na vandi, témoignage mousousou ya mounene na zanango, ye a yebi makambo ango, encadre nanga yebi, eza embala ya sima. Bandeko, bo vandate, oyo batinde libiso, azali mobiki sio ayiko biki sabiso na makambo nyoso e aza solution ya makambo nyoso ozana haleluya bana nzambe bo vanda te bo benga ba bana ba probleme ozana maranata haleluya merci papa prophète merci mosakoli Emmanuel Dodi le messager le grand sacrificateur ozali nzambe nzambe tata nzambe na kolo Yesu oya tindio oya pesio makambo nyoso oya pesio manda oya pesio manda pona kubiki sabiso mosakoli mokonzi mobiki si Yesu mwana nzambe amen baba na kwa ngi priye ozana ofis de David amen. Je vous pose des questions. Répondez-moi seulement. Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? Si vous croyez seulement que le malade soit guéri, après ça, il y a une puissance. Même ceux qui sont allés. Avec ici, ma
Amen. Jésus presse. Amen. Et quand il a voulu l'emmener, le pouvoir a changé. Alléluia. Et il y avait un seul lieu. Il n'y a que la soupe. Et il n'y a pas de soupe. Il n'y a pas de soupe. Il n'y a pas de soupe. Et il y a des soupe. Il n'y a pas de soupe. Il y a maman à Chine. Il y a des soupe. Ok. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux.